Juste avant de commencer la vidéo les gars, si on a 1000 likes en moins de 24 heures sur cette vidéo, je dis bien 1000 likes en moins de 24 heures sur cette vidéo, et ben je demande les parties personnalisées à Epic Games et pendant toute la semaine, on fera des lives parties personnalisées. Voilà. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les potes, on va se retrouver parce qu'il y a des nouvelles choses dans les codes sources du jeu PC. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, on est une chaîne information Fortnite. Donc si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner. En plus on est à 1000 abonnés, des 60 000 abonnés, ça me ferait plaisir que tu t'abonnes. Et de liker cette vidéo, 1500 likes pour les parties personnalisées qui arrivent la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitch dans la description. Et le mini jeu du jour les gars, dites-moi votre arme préférée sur Fortnite. Est-ce que vous préférez le pompe, le petit pistolet, l'ascarage, pourquoi pas. Vous me dites votre arme préférée de Fortnite Battle Royale. Et on va passer au vrai sujet de la vidéo. Comme je l'ai dit, il y a des nouvelles choses dans les codes sources du jeu PC. Voilà, très bientôt on pourra personnaliser ton skin à l'infini. Et là le mot n'est pas, mais sincèrement on pourra personnaliser à l'infini. Tu pourras faire toutes les combinaisons que tu veux. Tout simplement la personnalisation de skin, on le sait déjà, il y a déjà avec les caps. Voilà, tout simplement tu peux acheter un skin à 20 €, t'as une petite cape avec. Et tout simplement tu peux prendre la cape de l'autre pour mettre sur un autre skin. Par exemple on le sait, c'est déjà sur Fortnite Battle Royale. Et ben très bientôt tu pourras personnaliser ton skin de A à Z sur Fortnite Battle Royale pour qu'il te correspond. Je vais vous donner un exemple, voilà. Le molosse de guerre par exemple, tu as le molosse de guerre. Tout simplement tu pourras enlever la tête du molosse de guerre pour mettre la tête d'un autre skin. Alors oui c'est assez fou, tu pourras aussi mettre des écharpes, tu pourras mettre aussi des chapeaux, des lunettes, des colliers, tout ce que tu veux, tu pourras mettre tout ce que tu veux, comme je dis, tu pourras le personnaliser de A à Z. Ça a été retrouvé dans le code source du jeu PC. De toute façon je vous mets directement ce qui est dans les codes sources du jeu PC. Si les personnes savent lire les codes sources etc, vous savez très bien qu'il est bien marqué, qu'on pourra très vite personnaliser tout ça. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, il y avait des centaines et des centaines de choses. Par exemple des colliers, des capes, etc. qui sont dans le code source du jeu PC, mais qui ne servent plus à rien. Et maintenant on le sait très bien, ils vont servir pour des skins que tu veux acheter dans la boutique ou quoi, pour les personnaliser. Sincèrement c'est juste assez fou. Voilà, on va pas se mentir, c'est juste assez fou. Voilà, déjà juste que les capes, voilà, tu peux mettre sur plusieurs skins en même temps les capes. C'était quand même assez stylé, on va pas se mentir. C'était un peu une personnalisation bêta, on va dire ça comme ça, pour voir si les joueurs aiment. Et on va pas se mentir, c'est quand même super beau. Ils ont vu que les joueurs aiment mettre des caps sur plusieurs skins. Et bah là on peut vraiment personnaliser ton skin de A à Z pour qu'il te ressemble. En tout cas c'est juste ouf sincèrement. On pourra mettre des lunettes sur ton skin, des chapeaux, des colliers, tu pourras mettre vraiment tout ce que tu veux. Après je ne sais pas tout ce qu'il y a dans le code source du jeu PC, que ce soit des colliers etc, mais après au fil des mises à jour il va y avoir des nouvelles choses. Maintenant la date que ça va arriver, alors aucune idée, c'est dans les codes sources du jeu PC. Voilà, les codes sources du jeu PC, ça peut bien arriver dans 2 mois comme ça peut arriver demain. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas c'est les codes sources du jeu PC, ça peut bien arriver comme le pass de combat saison 6 ou comme je dis demain. Donc, mais si c'est dans les codes du jeu PC, ça va vraiment bien arriver et on va vraiment se faire plaisir sincèrement. On pourra personnaliser ton skin à l'infini. Je sais que je me répète un peu trop, mais c'est juste ouf, c'est juste la hype sincèrement. Et aussi il y a une rumeur en ce moment, voilà, c'est qu'une rumeur par contre. On pourra aussi personnaliser ton véhicule, ton caddie etc. Tu pourras mettre soit de la couleur etc. Le véhicule que tu peux remonter à 4 places, voilà, avec ta squad, tu pourras le mettre en peinture. Par exemple si tu veux tu pourras le mettre rouge, tu pourras le mettre bleu, tu pourras mettre des autocollants dessus, qu'on a des autocollants de Fortnite bien sûr. Tu pourras le personnaliser aussi ton véhicule. Par contre ce sera que visuel, il n'y aura que toi qui pourras le voir. Donc au final ça change pas la donne, c'est que visuel. Mais c'est quand même assez cool, on va pas se mentir. Aussi pour les caddies et ainsi de suite. Ils essayent qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec les skins Fortnite. Voilà, pour que les personnes qui n'ont pas assez les moyens etc, on sache se créer un beau petit skin star. Ça va être juste super cool sincèrement. Et en tous les cas, voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que sincèrement cette vidéo vous aura fait plaisir. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. On est une chaîne information Fortnite. Donc si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner. Et de liker cette vidéo, 1500 likes en moins de 24 heures pour les parties personnalisées qui arrivent la semaine prochaine sur Twitch les gars. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Twitch dans la description. Et le mini-jeu les gars, ne l'oubliez pas, dites-moi votre arme préférée sur Fortnite depuis le début. Est-ce que c'est le petit pistolet, est-ce que c'est la scarache, le pompe? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. En tous les cas, juste à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Et moi, je vous dis à la prochaine.